La torpeur est un état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve un vampire lorsqu'il se voit infliger plus de dégâts qu'il a de blood counter sur lui, ou lorsqu'il reçoit au moins un point de dégâts aggravé. Un vampire qui s'en va en torpeur quitte la Ready Region pour se déplacer vers la Torpor Region. Cette dernière se trouve à côté des vampires situés dans la Uncontrol Region. Un vampire qui rejoint la Torpor Region conserve toutes les cartes qui lui sont associées, c'est-à-dire ses équipements, ses cartes master, ses retainers, et conservera aussi tous ses blood counters s'il lui en reste. Le vampire en torpeur est toujours contrôlé par son Methuselah, mais il n'est plus considéré « ready », c'est-à-dire qu'il ne pourra ni bloquer, ni jouer de carte de réaction, ni participer à un référendum, ni agir, à l'exception de tenter de se sortir lui-même de la torpeur, ce qui sera détaillé dans une autre vidéo. Un vampire en torpeur unlockera normalement lors de l'unlock phase. Pour terminer, il est à noter que certaines cartes de library telles que Coma et Entombment ou encore le vampire Rabat de Sewer Goddess peuvent déclencher un effet de strike qui envoie directement le vampire opposant en torpeur.